Chers amis, j'aimerais avec joie poursuivre avec vous l'étude de la Mida qui s'appelle le Bitachon et de l'Aishtadlut. On avait déjà donné de nombreuses raisons à l'Aishtadlut. Pourquoi c'est la peine de faire des efforts? Pourquoi c'est la peine d'aller voir un chatran quand je veux me marier? Pourquoi c'est la peine de me démener, de me fatiguer, de m'investir, etc., etc. Et on avait donné toutes les raisons. Et on avait dit que si on comprend bien les raisons de l'Aishtadlut, à savoir que Hachem de son côté, il peut tout faire. Il peut tout me donner. Simplement, il y a une obligation de faire la Ishtadlut. Et toutes les raisons qu'on avait expliquées, soit c'est une amende que l'homme doit avoir, soit c'est Akadosh Baruch Hu qui souhaitait que ça passe comme ça pour cacher le miracle, soit. D'après toutes les raisons, est arrivé à une conclusion la semaine dernière, c'était de dire que celui qui a de la Emouna et qui fait la Ishtadlut parce que c'est une obligation, parce que c'est un examen pour savoir si c'est lui qui fait ou sa chaîne qui fait, etc., etc., eh bien, sa Ishtadlut, elle doit être cachère. Ça doit être cachère. Il faut faire les choses de façon cachère. J'aimerais aujourd'hui voir avec vous une autre incidence pratique, technique, qui va découler de ça. Ce que je vais vous dire, je l'ai pendant de nombreuses années dit. Et j'ai été heureux de voir que c'est le Chazon Ish qui le dit. Ce n'est pas mon Chidouche à moi, c'est le Chazon Ish qui le dit. Si ça avait été moi, vous auriez pu dire « Ah, il exagère celui-là ». Le Chazon Ish va le dire. Je vous lis dans les mots du Chazon Ish directement, qu'on ne perde pas de temps. Il dit comme ça. « Ve'achen midat habitachon kinyan alev ». Le bitachon, c'est quelque chose qui doit être dans le cœur. Ce n'est pas simplement dans l'acte, c'est aussi dans le cœur. Il dit, sachez une chose, celui qui a du vrai bitachon, il le garde à l'intérieur. Il ne fait pas de l'ostentation. Il ne cherche pas à montrer à tout le monde qu'il a du bitachon. Et personne ne va l'entendre dire, tu sais, moi je suis un grand boter, Ça veut dire, et d'ailleurs dans toutes les autres qualités c'est comme ça, si vous entendez quelqu'un passer son temps à dire moi je suis un grand boter, posez-vous des questions. Et même d'ailleurs, quelquefois, lui-même vis-à-vis de lui-même, eh ben, il soupire un petit peu. Dommage que j'ai passé de bitachon. Dommage que je ne sois pas arrivé à cette dimension jusqu'au bout. D'ailleurs, comme tout. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont généreux. Ceux-là, ils sont loin de tout. Les gens qui sont vraiment généreux, ben, de temps en temps, ils comprennent combien ils sont loin de la véritable générosité. Et parfois, ils soupirent un petit peu. Dommage que je ne sois pas arrivé à la générosité. Comme le Rav Ben-Tzion Abba Shaoul disait. Il disait, vous savez, quelquefois, on a l'impression que la maison, elle est propre, qu'elle est très propre. Et puis quand, avant Pessah, on commence un petit peu à faire le ménage, on s'aperçoit combien, en fait, elle n'est pas propre. Et plus on va scruter chaque endroit, plus on va essayer de cerner la propreté de chaque endroit, plus on va voir combien il n'est pas propre. Plus on va voir combien il y a de travail à faire. Et bien, c'est pareil dans les midot. Une personne qui n'a pas de bitachon, qui ne sait pas bichal, c'est quoi le bitachon, lui, il est sûr que, ouah, combien il a du bitachon. Dès qu'on comprend c'est quoi le bitachon, on voit combien on est loin de ça. Continue le Chazon Ish et dit Verak le maaset la veimo bitachon veotma boit brach. Voilà, c'est là les mots importants. Velo yechat imreaeu poteach hanout. Si jamais son ami ouvre un magasin, il n'aura pas peur de ça. Ça ne le dérangera pas. Mais quel magasin? Pas moi je suis cordonnier, l'autre il a une pizzeria. Moi je suis cordonnier et l'autre dans la même rue, juste à côté de moi, il ouvre une cordonnerie. Je ne dois pas avoir peur de ça. Et au contraire, moi je vais faire en sorte, si vraiment j'ai du bitachon, de l'aider. De l'aider pour que sa cordonnerie réussisse. L'etakno betsatova. Je vais essayer de lui donner des bons conseils. La sot avouro. Je vais essayer de l'aider. Velishkod al takanato. Faire tout ce que je peux pour son bien. Vekama minagdusha mosif baolam. Et combien de gdusha, de sainteté, ça apporte au monde? Lirot ish ose chesed, de voir un homme qui fait du chesed, imamita ted litrarot imo, avec celui qui a priori devrait être un concurrent. C'est mon concurrent. Combien de gdusha ça rapporte dans le monde? De faire du chesed avec un potentiel concurrent, et pas qu'un potentiel, avec quelqu'un qui commence à me faire de la concurrence. Umosif teila lirea vidbarach, ashrav ve ashredo. Heureux soit-il, heureux soit la génération d'un tel homme. Veitron or minachosher, et de la même façon qu'il y a une tellement grande différence entre la lumière et l'obscurité, itron aemet minacheker. Il y a la même différence entre la vérité et le mensonge. Veitron bitachon amiti mi bitron mezuyaf. Et voilà la différence qu'il y a entre un vrai bitachon et un faux bitachon. Parce que le bitachon, mes chers amis, tout le monde dit qu'il a du bitachon. On met la main sur la tête, on dit je crois en Dieu, et puis voilà. C'est quoi le vrai bitachon? Vous voulez savoir c'est quoi l'examen? Le véritable examen, au moins qu'on sache à quoi aspirer. Vers quoi tendre? Le vrai examen, c'est je suis cordonnier. Il y a quelqu'un qui ouvre une cordonnerie à côté de moi.
Et ben non seulement ça ne me dérange pas, mais en plus je vais l'aider. Et puis il y a une histoire que je vous avais racontée une fois sur le site et je vous la raconte à nouveau, avec grand plaisir. On raconte qu'il y avait dans une ville un boulanger. C'était le boulanger de la ville, le boulanger cachère de la ville. Tous les juifs venaient acheter chez lui. Et un jour, il a entendu une nouvelle. C'est que, à quelques mètres de son magasin, il y a un autre juif qui s'apprêtait à ouvrir une boulangerie. Dorénavant, ils vont être deux. Visiblement, tous les gains vont devoir être partagés. Qu'est-ce qu'il a fait, ce fou, entre guillemets? Il a été voir l'autre. Il a dit, regarde, je vais te dire quelque chose. Sache plusieurs points, je vais t'expliquer. Sache tout d'abord qu'en semaine, les gens ils achètent beaucoup moins de pain que le vendredi. Le vendredi, toi, tu vas t'apprêter à faire une quantité comme d'habitude. Tu vas voir d'un coup, tu ne vas plus avoir suffisamment de pain. Et puis voilà, c'est dommage, les gens ne vont pas être contents. Donc sache, le vendredi, il faut que tu fasses au moins le triple du pain qu'en semaine. Mais bon, sache aussi, ici dans cette ville, les gens ils aiment le pain quand il est bien cuit. Si tu fais le pain pas suffisamment cuit, ils ne vont pas aimer. Ils vont venir chez moi. Fais pas du pain qui n'est pas suffisamment cuit. Fais du pain bien cuit. Et puis, il commence à lui donner des conseils les uns après les autres. Les proches de ce boulanger, après, ils ont été le voir, ils ont dit, mais t'es complètement fou. Tu comprends pas que lui, il va être boulanger. Le boulanger de la ville, il va pas ouvrir une boulangerie ailleurs. Dans la ville, il va ouvrir une boulangerie. Il va te prendre toute ta parnassa. Et toi, au lieu de lui donner des mauvais conseils, tu lui donnes des bons conseils. Tu lui donnes des conseils qui t'ont coûté à toi, qui t'ont valu à toi des tas d'années d'expérience. Comme ça, tu lui donnes gratuit, sans rien, sans qu'il te paye quoi que ce soit. Alors que demain, c'est lui qui va te faire la concurrence. Et cet homme-là, avec toute simplicité, il les regarde comme un zombie. Il a dit, mais vous êtes fou ou quoi? Vous dites en plus que moi je suis faux. Vous êtes complètement fou. Regardez. Hachem, il prévoit la parnassa de chaque homme, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah. Ma parnassa, elle a été décidée. La parnassa l'année prochaine sera décidée. Vous pensez que ma parnassa, elle est décidée selon que je vais faire exprès de donner des mauvais conseils à l'autre? Chas v'shalom, chas v'shalom. Ma parnassa, elle est décidée. Maintenant, regardez. Moi, je galère. Tous les matins, je dois me lever tôt pour faire suffisamment de pain pour tous les gens de la ville. Pour finalement gagner la parnassa que je dois gagner. Maintenant, il y en a un qui vient qui va m'aider. Il va m'aider. Moi, ma parnassa, je l'aurai dans tous les cas. La parnassa que je dois avoir, je l'aurai. Comment? Ne t'inquiète pas, Hachem, il s'arrangera. Et j'aurai moins besoin de me fatiguer, puisque l'autre, il va venir, il va m'aider. Pourquoi vous voulez que ça me fasse quoi que ce soit? Ça, c'est la véritable dimension de Bitachon. Celui qui a du Bitachon, c'est comme ça qu'il fonctionne. Tu crois vraiment que parce qu'il y a un nouveau magasin qui va venir, Hachem, il ne pourra pas me donner la parnassa qu'il doit me donner? Tu crois vraiment que si je vais m'amuser à descendre l'autre, c'est ça qui va me faire gagner? Certainement pas. C'est ça une vraie Ishtadlout. Si je comprends que Hachem me doit donner la parnassa dans tous les cas, qu'il me donnera quoi qu'il en soit, que moi-même si j'avais ouvert aucun magasin, il aurait pu me donner. Simplement que je dois ouvrir parce qu'Hachem m'a donné l'ordre. Que je dois ouvrir parce qu'il faut un petit peu cacher le miracle. Que je dois ouvrir pour tout type de raison. Ben d'accord, donc je fais une Ishtadlout vraiment parce que je suis obligé, parce que je suis forcé. Si je fais parce que je suis forcé, ben, et que je comprends que c'est pas ça qui me fait gagner ma vie, eh ben quel est le problème? Pourquoi j'aiderais pas quelqu'un d'autre? Et je vous avais aussi un jour raconté que cette histoire-là, c'est pas simplement le Chazon Ish, c'est pas simplement lui, Gdol Hador. C'est pas simplement une histoire du boulanger, là, d'il y a je sais pas combien d'années. Non, moi je peux vous dire, il y a quelques années, j'ai un élève qui habite à Kiryat Moshe, qui a une pizzeria, Rabbi David il s'appelle. Et je me rappelle une fois, j'étais dans sa pizzeria, et puis je vois le vendeur de la pizzeria d'à côté, dans le même quartier là-bas, Givat Shaul, qui vient et qui lui amène plein de cartons. Alors je dis à mon élève qui a la pizzeria, je lui dis, mais dis-moi, pourquoi tu amènes tous ces cartons-là? Vous avez des liens l'un avec l'autre? Qu'est-ce que vous faites? Il me dit, mais je vais t'expliquer. Je vais te raconter. Il dit, regarde, tu sais, il y a eu de la neige il n'y a pas longtemps. Un jour de neige. Maintenant, quand il y a la neige, ben, t'imagines bien que les gens, ils ne peuvent pas sortir, etc. Ben, ils commandent des pizzas. Et de qui ils commandent des pizzas? Des gens qui sont à côté. Maintenant, le bonhomme, qui a aussi une pizzeria à Givat Shaul, il avait plein de commandes le jour où il y avait de la neige. Il n'avait pas assez de cartons et il ne pouvait pas aller demander à quelqu'un qui lui livre les cartons parce que quand il y a la neige en Israël, tout le pays est complètement à l'arrêt. Il n'y a pas, personne ne peut venir lui amener des cartons. Donc il me dit, il m'a téléphoné, mais tu peux me dépanner s'il te plaît 50 cartons? Je lui dis, avec plaisir, pourquoi pas, bien sûr. Et donc je lui ai prêté les cartons et là il est venu me les rendre. En toute simplicité, il m'a raconté l'histoire parce que j'ai insisté. Ça veut dire quoi? A priori, il aurait pu se dire, mais attends, c'est une occasion rêvée. Il y a de la neige. Donc les gens ne peuvent pas commander des pizzas, des magasins qui sont à Géoula ou à Meacharim ou à je sais pas où. Les gens ils sont obligés de commander dans les deux pizzerias qu'il y a dans le quartier. Mais si l'autre bonhomme il n'a pas de carton, et bien tant mieux. À qui ils commanderont? Ils commanderont à l'autre pizzeria. Le jour où il y a de la neige, le bonhomme il vient, il dit avec plaisir, prends tant que tu veux. Et je lui dis, mais tu t'imagines que c'est une grande émouna, ce que tu as fait, une grande preuve de émouna.
Il me dit, mais non, quoi, Emouna? C'est comme Mina Shamaim, tout est Mina Shamaim. Mais bien, tu crois vraiment que. Moi, quelqu'un me demande du chesed, je fais du chesed, je ne me pose pas de questions. Une autre fois, j'avais un élève qui voulait absolument ouvrir une pizzeria. Il tenait beaucoup à ouvrir une pizzeria. Il m'a dit, maintenant, moi, je ne sais pas comment on prépare la pâte, comment on fait pour que ce soit bon, etc. Je lui ai dit, regarde, j'ai un élève, il va t'expliquer. Je ne suis pas sûr qu'il sera d'accord, mais j'imagine, tel que je le connais, je pense qu'il va pouvoir t'expliquer. Cet élève a été voir ce Rabbi David en question, Rabbi David, et il lui a dit, regarde, j'aimerais ouvrir une pizzeria. Le bonhomme tout de suite, oui, bien sûr, viens me voir, etc., je t'explique. Il lui donne tous les conseils, où on achète les ingrédients, où on achète les machines, comment on fait, combien on met, tous les secrets il lui donne. Bon, tu aurais pu t'imaginer qu'il lui donne, parce que mon élève lui a dit qu'il voulait ouvrir une pizzeria à Beit Vagan. C'est pas à Kiryat Moshe, c'est pas où lui il se trouve, il n'y a pas de problème. Au bout de, je sais pas, un mois, deux mois, je reçois un coup de fil. C'est qui? C'est mon élève, Rabbi David, la pizzeria. Souvent, il m'appelait pour des questions de halakha. Souvent, il m'appelle pour des questions de afrashat chala. Là, il m'appelle. Il me dit, regarde, Rabbi Ezriel, je voulais te dire quelque chose. Je lui dis quoi? Il me dit, regarde, tu te rappelles, il y a deux, trois semaines, un mois, il y a un élève à toi qui m'a appelé. Il voulait savoir pour les pizzerias, etc. Il dit, ben regarde, tu peux lui dire, il y a à Kiryat Moshe un endroit, un espèce de petit magasin qui s'est libéré. Avant, il vendait là-bas des fricassés. Maintenant, il s'est libéré. Ils m'ont appelé pour me demander si je voulais pas ouvrir par hasard une deuxième pizzeria. Moi, la vérité, j'en ai marre, là, je peux pas, j'ai déjà suffisamment de travail comme ça. J'ai refusé. Mais par contre, ton élève m'avait dit qu'il voulait ouvrir une pizzeria. C'est un endroit très très bien pour les pizzerias. Très très bien. Dis-lui qu'il peut venir ouvrir là-bas. Alors, je lui ai dit, mais t'as un problème ou quoi? Toi, t'as une pizzeria, t'es la pizzeria du quartier. Il y en a une deuxième qui est là-bas, qui va déjà où, là, 7 minutes. Tu vas maintenant dans le même quartier demander à quelqu'un qui l'ouvre. Mais t'as pas peur qu'il te prenne ta part à ça? Et en toute simplicité, à nouveau, il me dit, mais non, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, de toute façon, on n'est pas collés l'un à l'autre, ça va, il y a quand même 4 minutes de distance. Et puis, de toute façon, si Hachem veut que les gens ils commandent la pizza chez moi, ils commanderont chez moi, s'il veut chez lui, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle le bitachon. Combien il y en a des gens comme ça, mes chers amis? Combien il y en a? Rabbi David, lui, Baruch Hachem, il a une émouna de béton. Combien il y en a des gens comme ça? Eh bien, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, mes chers amis. Si on comprend et qu'on se rentre dans la tête, qu'on se rentre, que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Toute la parnassa est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Premièrement, ma ishtadlout que je dois faire parce que je suis obligé, eh bien, elle sera kasher. Deuxièmement, je ne ferai pas trop d'ishtadlout, ça on avait déjà expliqué. Troisièmement, j'aurai peur de rien, même si quelqu'un vient, entre guillemets, me voler ma parnassa, j'aurai peur de rien. Quatrièmement, puisqu'on y est, je ne m'amuserai pas à descendre les autres. Parfois, les gens ils pensent que c'est une bonne ishtadlout de descendre les autres. Vas-y, descends les autres. Parlant mal d'eux, dis que c'est des nuls, dis que c'est des nulards, qu'il faut venir que chez toi et pas chez les autres. Si tu comprends que tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, tu crois vraiment qu'en faisant une avéra de descendre l'eau, de dire du Hachonara, tu vas gagner quoi que ce soit? Et c'est aussi le Chazon Ish, il le dit. Pas du tout. J'espère que ces idées sont bien claires. On continue la prochaine fois. Bezrat Hashem, s'il vous fera attention.